Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour le vlogmas numéro 4. Aujourd'hui on est lundi. Hier on a reçu toute la famille de Quentin pour fêter son anniversaire. Avec 19 jours de retard. Mais voilà, pour que tout le monde soit réuni, on pouvait pas faire autrement. Et on était 9 à table. 8? 8 ou 9? Bon bref. J'arrive pas à savoir si je comptais Inès dans le lot. Je parle surtout pour les portions de nourriture, parce que du coup. Faire à manger pour 8 ou 9 personnes, peu importe, ça demande quand même un petit peu d'organisation, mais ça s'est super bien passé. Et on a mis un gros coup de collier après le repas hier avec Quentin pour tout ranger, tout laver, faire la vaisselle, tout remettre les tables en place, etc. Ce qui fait que ce lundi matin ne ressemble pas trop au chaos quand même, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Aujourd'hui, il faut que je bosse sur un article de blog sur notre séjour à Marseille. Si vous m'avez suivi sur Instagram, vous avez dû voir notre séjour là-bas. Je suis en train de manger du gâteau. À tous les coups, j'ai des miettes de partout, mais vous aurez la correction de ne pas me le dire. donc, il faut que je travaille là-dessus. Les articles de blog, c'est de loin ce qui me prend le plus de temps parmi tous les contenus que je crée. Et les épisodes de podcast aussi, parce que le montage audio, c'est quand même un vrai challenge. Mais ça demande pas mal de travail pour trier les photos, retoucher les photos. Écrire quelque chose qui soit agréable à lire, vérifier les fautes d'orthographe, la syntaxe, les liens, faire relire si éventuellement il y a quelqu'un qui doit le relire. Alors là j'ai pas d'obligation que l'article soit relu, mais pour être sûre de pas dire de bêtises, je préférerais qu'il soit relu. Donc je vais l'envoyer ensuite à l'office du tourisme de Marseille, puisque c'est eux qui nous invitaient, pour savoir ce qu'ils pensent de l'article. Au moment où vous verrez ce vlog, l'article sera forcément en ligne, donc je vous le mettrai sous la vidéo. J'ai aussi un réel qu'il faut que je fasse. Enfin, que j'ai envie de faire à ce sujet-là. J'avais pris des petits souvenirs pendant tout le séjour. Voilà, ça va être une grosse partie du programme de la journée. J'ai la machine qui vient de s'arrêter parce que j'ai lancé mes lessives le lundi matin, comme je fais assez souvent. Les serviettes de toilette, etc. Comme ça, je sais que c'est lavé une fois par semaine. Je vais boire mon petit café et puis du coup, je sais pas si le vlog sera très long. En tout cas, je ne pense pas sortir aujourd'hui. Donc j'essaierai de vous montrer des petits trucs à la maison, mais je pense que je vais pas mettre le nez dehors. Il fait un temps horrible, horrible, horrible. Vraiment, je sais pas, je pense que je suis sombre à l'image, mais je suis à ça d'allumer les lumières, c'est une cata. Donc je pense pas que je vais sortir, de toute façon j'ai pas besoin de sortir ni pour faire des courses ou autre. Donc ce sont mes beaux-parents qui me ramènent Inès ce soir sur les coups de 17h. Donc voilà, je pense que je vais rester à la maison toute la journée. Bon, je suis trop contente, mon article avance bien. Là il est bientôt 14h, Quentin est rentré manger ce midi. Il y en a une qui est toujours sur une hyperactivité notoire. Je me suis lancée, quand je vous disais que les coussins étaient toujours en l'air, bon je vais le laisser là. Je me suis lancée aussi sur un réel pour illustrer l'article. Parce que j'avais filmé pas mal de petites séquences à Marseille en vidéo. Et parce que j'avais filmé pas mal de petites séquences vidéo à Marseille et je cherchais une musique pour illustrer le tout. Au départ j'étais partie sur une musique classique, c'était joli mais bon pas très punchy. Et en fait je suis tombée sur une musique de Fernandel où il parle de Marseille et en fait gros hasard, donc c'est comme toutes les chansons de Fernandel, il y a beaucoup de textes et puis voilà il raconte un peu des moments de vie. Et en fait j'ai toujours une image qui illustre plus ou moins ce qu'il dit dans cette chanson. La chanson s'appelle Ça c'est Marseille ou Tout ça c'est Marseille. Je n'avais jamais entendu cette chanson, mais résultat ça rend super bien avec les images que j'avais prises là-bas. Donc bon bref voilà, c'est le hasard, mais du coup je suis hyper contente du résultat. Ça m'a pris pas mal de temps aussi, mais je trouve que le rendu est chouette. Et donc quand vous verrez cette vidéo, tout ça, tout ce dont je vous parle sera en ligne, donc je vous le mettrai sous la vidéo justement. De quoi je voulais vous parler? Oui, je voulais vous parler de... nouvelle machine à café, parce que plusieurs d'entre vous m'ont aperçu dans de récentes vidéos, elle est là, et pas mal d'entre vous se sont demandé du coup s'il y avait eu un souci avec l'ancienne. Alors pas du tout, mais je retourne la caméra et je vous explique. Jusqu'à quelques mois, années en arrière, Quentin et moi on buvait pas de café, ou tellement peu, genre un ou deux par semaine, pas beaucoup plus, et comme beaucoup de personnes, le confinement nous a mis dedans, et on s'est mis à boire du café régulièrement. Alors c'est pas 10 tasses par jour, mais c'est 2 tasses par jour chacun, je pense. Donc on avait au tout départ une machine Nespresso avec des capsules. Moi ça me rendait dingue de jeter des capsules en aluminium, même si je pense qu'elles peuvent être recyclées derrière, je pense que ce sont des déchets inutiles. Alors
pas du tout, du tout, du tout une référence en la matière, mais voilà, indépendamment de tout le reste, ça me gênait beaucoup. Donc cette machine, on s'en est débarrassé. On a acheté un percolateur de chez De'Longhi, dont je vous avais parlé plusieurs fois en vidéo, qui était vraiment excellent. Donc un percolateur, c'est une machine avec du café moulu. Soit vous l'achetez moulu, soit vous achetez un broyeur à grains chez vous pour pouvoir le moudre à la maison. Très bien, mais un percolateur, c'est pas fait pour une grande consommation de café, même si 4 cafés par jour, ça reste pas incroyable. C'est pas une machine qui était vraiment taillée pour voilà, des cafés réguliers. Donc on s'en est servi pendant 1 an et demi à 2 ans, je crois. J'ai réussi en fait à la revendre sur le bon coin à un monsieur, je l'ai revendu quasiment au prix auquel on l'avait acheté. C'était un peu le test. Je me suis dit, si j'arrive à la vendre facilement, on envisagera l'achat d'une autre machine. Sinon, bah, on restera avec celle-ci. En fait, j'avais une bonne promo au moment où je l'ai acheté, donc on a dû perdre 10 ou 20 euros, sachant qu'on s'en était servi voilà, pendant 1 an et demi environ. Donc bah, ce monsieur d'ailleurs m'a envoyé un message derrière, il est ravi de sa machine, puis lui c'était pour voilà, un café de temps en temps, il en était très content. Et on a investi dans ceci, voilà, alors c'est immense, je pense que vous voyez en comparaison au grille-pain à la bouilloire, c'est une très très grosse machine, qui est de la marque Philips, qu'on a acheté il y a quelques mois, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'on l'a acheté. Et on est donc parti sur une machine à grains, donc vous mettez les grains de café ici, vous avez un mousseur à lait intégré qui vous fait des cappuccinos, des lattés complètement incroyables. Donc est-ce que vous voulez que je vous en parle plus en détail? Je vais pas tout vous dire dans ce vlog parce que ça a pas de sens, mais voilà, je vous fais un rapide résumé, on en est dingue. C'est une machine qui est très très coûteuse, qui nous a coûté un peu plus de 500 euros, donc voilà, c'est un très gros investissement. Si vous buvez un café de temps en temps, comme ça pouvait être notre cas il y a quelques années, je vous conseille pas du tout d'investir dans quelque chose de ce style-là parce qu'il faut vraiment le rentabiliser, mais la qualité du café est incroyable. Même avec du café bas de gamme, parce que quand on l'a acheté, on a démarré avec du café qu'on avait trouvé en grande surface. On s'était pas trop renseigné et c'était déjà délicieux comme ça. Donc vraiment, c'est une super machine qui existe dans plein de modèles différents. Donc je me souviens même pas du modèle de celle-ci, mais vous n'avez pas toujours le même affichage avec le même nombre de préparations possibles. Il y en a même d'autres en fait qui sont cachées derrière cette touche-là. Enfin voilà, on en est très content et si vous aviez voilà, ce type de machine, en tout cas de cette marque là dans le viseur, je peux vous garantir que la qualité est au rendez-vous, j'ai envie de dire pour le prix, heureusement. Bon, avec tout ça, justement, je vais me refaire un petit café. Quentin a le syndrome des portes ouvertes, vous voyez ça? Comme ça là, juste la petite porte entre-ouverte comme ça, moi ça me rend dingue. Et il fait ça avec absolument toutes les portes, que ce soit les portes de son placard. Je suis médisante, on va les vérifier tout de suite. Ah, il y a quand même un petit jour. Non mais c'est une maladie, ça fait plusieurs fois que je lui dis, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a quelque chose à creuser, mais qu'est-ce que ça m'agace. Je pars sur la confection d'une compote pomme-banane. J'avais acheté pas mal de pommes parce que hier j'ai fait donc une tarte, enfin deux tartes, pour, voilà, pour nos invités. Et je me doutais que j'avais pris des pommes en trop, donc je vais faire de la compote dans mon... Si je vous montre pas en entier, vous allez pas comprendre. Dans mon Easy Soup de Moulinex. Je vais préparer ça, je vais pas la sucrer. De toute façon, je ne sucre jamais les compotes parce que je trouve que les fruits sont naturellement assez sucrés comme ça. Puis je fais pas des trucs hyper acides avec des recettes très acides. D'autant plus que là, il y a de la banane, donc ça sera bien assez. Et je me dois de vous reparler de cet économe. De la marque Joseph Joseph, ma marque favorite pour tout ce qui est accessoires de cuisine. Voilà, je sais pas exactement combien ça coûte, mais ça doit pas coûter des dizaines d'euros. Mais ce truc est incroyable. Alors faites attention parce que c'est tellement coupant qu'il y a moyen de s'accrocher un doigt dedans puis de se faire vraiment sévèrement mal. Ça sent le vécu. Oui, mais j'aime rien arriver de grave, mais je suis un peu maladroite et puis parfois je veux faire les choses vite, donc je fais des erreurs. Mais la rapidité de la découpe, la précision de la lame, ce truc est incroyable. Donc voilà, si vous épluchez pas mal de trucs chez vous, je vous invite vivement à vous procurer un truc comme ça. Et ça, je crois que c'est pour les zestes d'agrumes. Bon, c'est pas un truc que je fais très souvent, mais voilà, ça a le mérite d'être fourni avec. Je suis de retour à mon bureau, je suis en train de manger des biscuits au petit-déj. J'ai hyper faim. J'essaie d'avancer sur le livre, je vous en ai parlé dans le vlog numéro 3 que je vous mets sur l'écran. C'est mon gros projet de cette fin d'année, surtout début d'année 2022. Le plus gros défi de ce projet justement, c'était de pas travailler seule quand j'écris un article, quand je fais une vidéo, quand je fais un réel, quand j'ai une collab avec une marque. À la rigueur, si ça avance pas, j'ai juste à mettre un gros coup de pied aux fesses et ça avance. Si j'ai pas d'idée, j'ai juste à motiver et ça avance. En fait là, tout ne dépend pas que de mon planning, parce que ce projet je ne peux pas le mener à bien seule,
parce que j'y connais rien, parce que j'ai jamais écrit de livre, parce que je ne suis pas graphiste, parce que je ne suis pas photographe, parce que je ne suis pas illustratrice. Donc il y a toutes ces personnes voilà, qui interviennent dans le projet et qui ont bah, des plannings, qui ont d'autres projets, hein, parce que ma vie ne, enfin, leur vie ne tourne pas autour de la mienne. Donc c'est difficile parfois de voir que ça avance pas aussi vite que ce que je voudrais ou qu'il y a des... Il peut y avoir des petits contretemps, voilà. Ça peut être un peu frustrant, je crois que maintenant je m'y suis faite, mais c'est la première fois que vraiment je dois travailler de cette façon-là. C'est pas inintéressant, vraiment au contraire, parce que plus j'en parle, plus on me donne des idées, plus les gens avec lesquels je travaille me fournissent d'autres contenus, d'autres idées, donc c'est chouette, mais c'est très très challengeant. Voilà ce que je peux dire. Puis on en reparlera dans quelques mois parce que ça sera encore autre chose. Mais là j'avance bien. Il me reste plus grand chose à écrire et surtout les dernières choses que j'ai à écrire, j'essaie de pas toutes les écrire d'un seul coup parce que c'est bien parfois de dormir sur quelques idées puis de repartir sur autre chose le lendemain. Bon, je sais pas si c'est très clair, mais il y avait toute une partie vraiment narrative où j'ai pu écrire ça d'un seul jet, c'était très cohérent. Puis là, c'est plus plein de petits points qu'il faut que je contrôle ou des choses qu'il faut que je complète, mais du coup, si je m'y mets sur plusieurs jours de suite, c'est presque plus adapté. Voilà, j'y retourne, il me restera après la grosse relecture que je vais faire avec bah, mon entourage aussi parce qu'il y a plein de personnes qui ont accepté de m'aider et ça c'est très touchant, mais ça avance bien. Et voilà, fin de journée, bon bah comme prévu, j'ai passé la journée devant l'ordi. Je me doutais bien que je ne ferais pas grand chose d'autre de la journée, mais j'ai bien avancé sur plein de trucs. Petit point Nerolibox, je vous mets les explications en barre d'infos, mais si vous voulez tenter de remporter une box avec... plein de chouettes produits et un colis concocté par mes soins en l'échange de votre part d'un montant de 10 euros minimum versé à une association caritative. Bah, je vous laisse participer en envoyant un mail à l'adresse nerolibox@gmail.com. Toutes les explications sont sous la vidéo. Et la question du jour, je ne l'ai pas sous les yeux mais je m'en souviens, c'était selon toi, est-ce que Xavier Dupont-Ligonnès est mort ou vivant? Selon moi, il est vivant. On va dire que j'en suis intimement persuadée. S'il est mort, c'est par accident, par je sais pas, un problème de santé, une maladie grave, quelque chose comme ça. Mais voilà, pour répondre à la question, est-ce qu'il s'est suicidé ou pas, je ne pense pas. En tout cas, je ne pense pas qu'il aurait fait tout ça pour se suicider. Voilà, c'est bien comme fin de vlog, c'est pas glauque du tout, c'est sympa. Je vais aller faire une petite partie de Uno avec Inès et Quentin, c'est notre petit rituel du soir en ce moment. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.